n'est pas ouvert. Voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ben, live de samedi matin, c'est pas courant, c'est pas souvent. Mais voilà, après quelques jours de vacances, j'ai repris le boulot et tout. J'ai pris le live hier soir, mais je suis entré, j'étais mort. Je me suis posé dans le tennis et je me suis endormi. Du coup, j'ai pas pu vous faire de live hier, donc du coup, ben, voilà, je suis là ce matin. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez vu dans le thème, là on va faire plusieurs jeux, on va commencer par Roots Tomorrow, on va faire un petit peu, là peut-être une petite heure. Et ensuite, ben, j'aurais aimé jouer, peut-être vous pourrez me rejoindre sur le jeu, ça y est, j'ai perdu le nom, Roller Champions, un jeu Ubisoft, qui est gratuit, crossplay, donc PC console. Je vous donnerai les liens tout à l'heure. C'est pour le présenter, je vous ferai une petite vidéo aussi YouTube dessus pour vous le présenter. Je l'ai découvert sur un live du joueur du grenier. Je trouvais ça assez sympa, ça ressemble un peu à Rocket League. Mais dans un premier temps, on va s'intéresser à Roots of Tomorrow. On va essayer de poursuivre un peu notre expérience dessus. Attendez, je suis juste en train de préparer mon Steam que j'avais pas encore ouvert. Ok, donc ça c'est bon. Il n'y a pas de téléchargement qui se font, c'est génial. Donc voilà, c'est un jeu, vous savez, que j'aime beaucoup sur la gestion agricole. Et du coup, ben voilà, on va jouer là-dessus. Hop, le jeu est en train de se lancer. Je sais pas si vous l'avez. Ouais, vous l'avez en son derrière. Faut juste que je Depuis le prépare. néolithique, les Hop. humains travaillent. Alors attendez, on va passer ça l'introduction. La game capture, forcément, n'est pas la bonne là. Voilà. Tac. Et du coup, on va pouvoir y aller. Hop, 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 comme ceci. Je sais pas si je peux mettre. Non, c'est pas là. Je vais lui mettre le mode performance pour qu'il coupe les. Non, c'est pas ça. Attends, on va se remettre comme ça. Tac, voilà. Performance comme ça. J'ai pas de retour sur mon. Sur Streamlabs. Alors, on va faire charger une partie. Et du coup, on était dans la Bretagne. Charger ce soir. Oui, tour 73 sur 240. On va essayer d'avancer un petit peu. Je vous dis, je pense, une petite heure. Après, on se fera donc du roller. Mais je pense, après-midi, après manger, on reprendra du farming un petit peu. Là, parce que ça fait vraiment longtemps. Il y a un soir, je voulais faire, mais j'étais un peu claqué, donc j'ai préféré m'abstenir. Parce que je sais que quand je suis fatigué, les lives sont moins intéressants pour vous. Allez, ça charge, on y va. Bon, j'espère que vous, ça s'est bien passé, que vous avez passé bon week-end le week-end dernier, un petit week-end rallongé pour ceux qui ont pu faire le pont. Un week-end encore rallongé cette semaine. Alors moi la semaine dernière du coup j'ai pris quelques jours, mais ben, pour moi il n'y a pas de week-end rallongé puisque ben, j'ai bossé ce matin et je rebosse lundi. Ok, merci pour 1000 euros. Donc là, on est au 1er novembre. Vraisemblablement tout est semé. Ce qu'on a là. Critical, ok, ouais, donc on avait tous nos semis, on était bon. C'est quoi, c'est du maïs? Et pas récolté? Au 1er novembre. J'avoue qu'ils ont bien travaillé quand même les textures. C'est un peu un ça manque un peu de hauteur là, ça déborde un petit peu sur Ok, et par contre j'ai des personnes qui sont pas semées, donc certainement qu'on fera des semis de printemps. Culture à vieux aucune, ok. Ah mais il est pas nous, je suis bête à acheter. J'avoue que je me souviens plus de tout ce qui où on en était. Donc là apparemment on n'a rien à faire. C'est prévu. Ah, c'est vrai qu'on a commencé à avoir du mandat. Ok. Mais écoutez, c'est pas mal tout ça. Du coup, bah, attends, puisqu'on n'a rien à faire, on va transformer de l'engrais. Donc ça peut être une bonne chose. On va prendre elle d'abord. On va lui en mettre non, 300 000 là, je crois. Ouais, voilà. Validé. Tac. Et tu m'en fais 200 000, toi. Parfait.
Oh, je vais tous leur en faire faire, comme ça va un peu. Elle va en faire 100 000, elle. Oula, non, ça lui fait trop, elle. Bon, bah, allez, c'est tranquille alors. Allez, on va valider ça. Du coup, si on regarde un peu là dans notre inventaire, là, on en est où? Donc là, c'est notre bétail, notre production. Bah, l'engrais, on a quand même un petit peu là, on va pouvoir en vendre. Même si ça rapporte pas beaucoup, on a un peu de miel à vendre. Ensuite, on a du maïs. Plus beaucoup. Du sorgho. Alors, je sais pas si le sorgho est utilisé dans l'alimentation. Ça, c'est nos bâtiments. Ok. Alors, d'ailleurs, en parlant de bâtiment, on a 93 000 euros. Je sais même plus où au niveau des finances, là où est-ce qu'on en est, surtout dans les entrants, on en a plus de 2. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, on a 35 et 40 mois. D'accord. Ouais, c'est les agrandissements des bâtiments, enfin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre d'avoir fini cela pour reprendre des gros emprunts de bâtiments. On peut faire des petites dépenses d'amélioration, mais on peut pas se faire des gros. Là, qu'est-ce qu'on peut faire des emplois intérieurs? Les rejets et gaz à effet de serre augmentent, ce qui baisse. Okay. Et je crois que niveau environnement, on n'est pas top de mémoire. Donc, le but, c'est ça. Hein. On a 2-4, on n'est pas trop mal, mais j'aimerais bien qu'on arrive à 3 avant de réaugmenter. Là, on est bien. Ouais. L'économie, on est pas mal. Et là, c'est sur quoi? Vous voyez, sur la consommation d'énergie, on n'est pas super. Quoique. Perte vers l'environnement, on est déjà assez haut. Donc j'avoue, on pourrait faire les infos. On fera peut-être ça au tour prochain. Ah pardon, salut Maxou, excuse-moi, j'ai pas vu, je me suis pas mis au retour de chat, désolé. Voilà, je me le mets, j'ai oublié. Salut, comment ça va? Pas réveillé, enfin pas réveillé, si réveillé ce matin, mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'ai pas stream que du coup j'ai un peu perdu les habitudes. Allez, on va passer le tour et on verra un peu les travaux qu'on fera. Bah écoute, ça va bien. Après quelques jours de vacances, la reprise du boulot avec à fond. Donc. Hop, allez, on peut récolter tout ce qui est maïs. C'est quoi ça ici? Alors, c'est des apports. Les apports d'engrais. Hop. Ouais, on va prendre ça le dernier ou pas? Voilà, il y a un autre qui fait rien. On va bosser un peu. Il y en a encore un autre? Oh. Hop. Hop, ok. Après, je pense qu'on a vraiment tout semé, donc il n'y a que les parcelles là qu'on vient de moissonner qui sont pas semées. Mais on mettra un couvert végétal et on refera des semis pour au printemps. Ça changera un petit peu. Ok, donc ça c'est bon. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire comme travaux là? On a 97 000 euros. Là, on peut faire les enclos extérieurs, donc gaz à effet de serre. C'est ça combien ça? 5 000, ouais, allez. Hop. On va se les faire. Et là, ici, si on était ici, 35 000. Bon, on va se les faire aussi. Hop. Ça sera fait. De toute façon, il faut qu'on les fasse. Ici, de la maison, on a fini les agrandissements. Du coup, ici, je pense qu'on aura fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, avant de passer le tour, on va faire un peu de transformation, du coup. Hop, si j'en ai 400, elle sait faire quoi comme travail? Oui, ça va, 100%, ça va pas la suite. Hop! Alors, on arrive en hiver. Combien qu'on les cochons à vendre? Donc, du coup, on a 60 tonnes de maïs et 124 de sorgho. Enfin, moi, ce que je veux voir, c'est si ça consomme du sorgho ou pas. Du coup, on rend petit commerce, ça c'est bien.
Ok. Je ne sais plus dans les objets. Ouais, c'est dans les... c'est bon, on est en cours. Là, on va faire nos couverts végétaux. On met des cendres, de toute façon, on ne peut rien semer. Ah purée, j'ai vendu le semoir. Et un semoir, j'ai vendu le semoir pour acheter un semoir de précision. Mais en fait, il nous faut un semoir de précision. Il nous faut un semoir classique pour les couverts végétaux. Oh zut. Non, voilà, matériel. Ouais, ça va, ça vaut 10 000, on peut s'acheter. Tac. Alors, hop, couvert. Tiens, Pauline, tu vas essayer de sonner un peu les couverts. Bon, par contre, tu pourras pas me faire le dernier, toi. Et là, qu'est-ce qu'on a à faire ici? On a des phytos. Ok, c'est bon. Ici, on peut peut-être faire les travaux. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est les transformations. Bon, prenez les carcasses de vos forains. Okay. Ça vaut 40 000. Ah ouais, pour l'instant, on n'a pas trop les moyens. On va attendre avant. Ok, allez, hop, pour suivant. On va voir un peu si une texture pour les couverts végétaux, je ne les ai pas vus encore. Hello, je vais faire un tour dans le coin, je te dérange pas. Bon, je reconnais que ça fait 3 ans que tu es toujours là. Bah ouais, peut-être que l'agroécologie n'est pas si mauvaise que je pensais. Par contre, ne me dis pas que tu es en transition vers le bio. Ouais, non, mais moi je suis d'accord avec Michel, le bio, pas forcément. Bon, alors, allez, par contre, les couverts végétaux n'ont pas de texture apparemment. Allez, un peu de vente. Alors ça prend bien du sorgho puisqu'on était à 124 000 et puis il n'y a plus que 32 000, donc ça compte bien du sorgho, donc on va pouvoir refaire de la culture de sorgho, ça c'est bien. Hop, et là il faut qu'on fasse nos renouvellements externes. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à faire encore? Ah bah oui, il y a du phyto encore à faire. Hop. Non, pas toi. Toi. Tac. Et tac. Ok, bah c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc ça on a tout fait. Du coup là. Ouais. Alors ouais, donc les agrandissements. Je pense qu'on les refera quand on aura fini les autres emprunts. Ce sera plus raisonnable que de taper les agrandissements puis de reprendre d'autres emprunts sur le dos. Là, on peut pas faire l'agrandissement. Ok. Allez. Et on fait un petit point sur le score. Ah, on est arrivé à. Ouais, c'est toujours l'économique, hein, qui... l'environnemental plutôt qui pose problème. Et c'est surtout la conso d'énergie, c'est là-dessus qui vraiment qu'on travaille. Mais pour ça, la conso d'énergie, je pense qu'il va falloir que. Ouais, c'est rien que ça, c'est qu'il faut faire tout ça, quoi. Ça s'avance quoi les formations, ouais. Ouais. Le projet label, c'est les coûts des améliorations des bâtiments. Ah, allez, je pense qu'on va faire ça. Hein. Comme ça, on pourra faire nos agrandissements un peu moins chers et en plus, on pourra après démarrer de l'autonomie RHD. Donc, je pense qu'on va faire ces deux-là en suivant. Allez, hop, on passe le tour. Ouais, 63, j'ai perdu 36 000 euros, hein, sur, 26 000 euros sur le passage du tour, hein, c'est une indemnité. Donc on peut pas trop se permettre de reprendre un gros crédit dessus. Ok.
Et bon, après là c'est l'hiver, il n'y a plus grand chose à faire normalement. Ah oui, il y a les ruches à s'occuper. Hop. Entretien d'hiver, allez. Tac. Et du coup, on pourrait une pierre d'eau pour rucher. Ok. Ben go. Hop, là on n'a rien à faire, on va faire transformer de l'engrais au pire on ira le vendre. Je vérifie juste, donc en social économique on monte, par contre en environnemental on stagne un petit peu. C'est dommage. Mais du coup, ben, je regarde le score global, il est à 2,8. Donc on attend bien quand même. Allez, là on va faire la transformation. Hop, bon, Mélanie, on en fait 300, 300 ou 400 000, je crois. Ouais, 400, ça passe. Toi, tu m'en fais 200. Toi, tu m'en fais 200. Et après, on ira certainement le vendre. Hop, on a dit. Parfait, je lui mets 300, du coup, elle. Voilà. Ouh là là. Ah mais 200 000 non plus elle veut pas elle. Et alors est-ce que tu veux jamais que 100 000 à faire? Ouais voilà, c'est ça. C'est bon. Alors. Est-ce qu'on essaierait pas de le vendre là, cette lignée transformée? Parce qu'on commence à en avoir un petit peu beaucoup, non? Non plus, on y a plus. 2 391 000 tonnes. Ça commence à parler un petit peu quand même. 2 391 178. Elle veut même pas prendre le 18 tellement qu'il y en a. Bon, on va mettre que les 9 alors. Bah mine de rien, ça fait 25 000 euros quasiment, cette affaire-là. Le miel, on pourrait le vendre. Comme ça faisait. De toute façon, attends, je vais pas cliquer comme ça jusqu'au bout. Hop, voilà, 4 600 euros. Hop, voilà. Comme ça nous fait un peu de tout. On est tranquille. Allez, on passe le tour. Ouais, l'argent qu'on a fait avec le litier, l'anglais transformé, bah, ça paye les annuités d'un mois. Hop. Par contre, on a bientôt plus de sorgho. Il a encore un peu de maïs. C'est très crack pour faire la jonction avec les cultures d'hiver. Hop, au niveau du score, est-ce que ça monte? Ça bouge pas pour l'instant. Bah, on va continuer à transformer. Hein. Si je m'en mets 500 000 là. Ouais, ça passe. Hop. Elle, je vais lui en mettre que 150 parce que 200 c'est déjà un peu trop. Elle, les 200, elle peut me les faire. Pense que je pourrais même lui en mettre 300 peut-être à elle. Alors, si je rajoute 100 000 de plus. Ouais, ça passe. Une fois, je vais en mettre 300 alors. Et toi, tu m'en fais que 100. Voilà. Ben, on est bon. 15 février. Ah. Oui, là. Recherche terminée. Ça, c'est bien. On s'en occupe de suite. Donc technique, auto-renouvellement, débloque cette technique dans le menu renouvellement du bâtiment pour ça. Donc ça c'est bien parce que ça va nous coûter un peu moins cher. Et on continue sur le l'aménagement du bâtiment pour ça avec l'essentiel. Sur l'élaboration projet label là. Ça va être un peu long en 3 tours. Ce qui serait bien c'est qu'on puisse débloquer le... Normalement on doit pouvoir en avoir droit à deux en même temps.
Et franchement, j'aimerais bien qu'on puisse les avoir, comme ça on pourrait attaquer aussi l'autonomie énergétique. C'est vraiment ce qui nous sauverait la mise. Hop, ah bah tiens, justement, maintenant qu'on a l'auto-renouvellement, on va pouvoir le faire en interne. Il nous reste 4 tonnes de sorgho. Oui, ça va être court. Bon, après, c'est bon, on a encore 60 tonnes de maïs derrière. Hop. Présence magnétique, toujours pas. Là, financièrement, on commence à être bien. Et vous voyez, si on fait le renouvellement externe, ça nous coûte 4 635 euros. Bon, c'est pas, en soi, c'est pas une somme énorme. Mais, mine de rien, voilà. Et ça nous prenait 15 heures, puis là, ça nous prend plus de 8 heures et ça nous coûte rien. Tiens, et si on s'y met 1 en 3, voilà. Hop, tiens. Comme il n'y a rien d'autre à faire. Et là, du coup, on se met là. Hop. Hop. On va refaire à fond du billet. Je sais même pas où est-ce que, ouais, voilà. Hop, 500 000. Comme ça, on sera pas mal. Toi, j'ai dit que c'était 200 000. Ou non. Ah oui, mais c'est vrai que tu mets un peu sur le truc. Ouais, voilà, très bien. Toi, on fait 100 000 aussi. Non, 200 pas, on avait dit. Et toi, tu m'en fais 100 000 là. Voilà. Et comme ça, on devrait commencer à avoir un peu de monde. Alors, un peu de stock. Production. Bien, vous voyez, on a déjà un peu de réserve. On va essayer de le. Ah, il n'y a plus beaucoup de lisières marquées. On a fait pas mal. Donc. On va peut-être attendre un petit peu pour continuer à transformer. De toute façon, on va bientôt démarrer les premiers semis. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Les rues. Hop, qu'est-ce qu'on fait aux rues? Entretien de printemps. Ouais, hop. Tac. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'on est au 1er mars? Est-ce qu'au 1er mars, on peut commencer à semer des choses? Hop, non, pas encore. Ah si. On peut faire de l'orge de printemps. Mais le problème, c'est que si je fais l'orge de printemps, je peux plus faire de travaux ni rien. Il y avait quoi sur ces parcelles-là avant? C'est du maïs, hein, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est du maïs. Donc, du coup, bah, faire une paille d'orge de printemps, ça peut être une bonne chose quand même. Allez, hop. On va acheter les semences. Alors, il y a l'avoine de printemps aussi, mais orge de printemps. Si on peut en acheter 3 tonnes. Hop. Du coup, tac. Bon, je le mets direct. Si tu fais pas grand chose, tiens, Pauline, tu vas aller le faire, je le mets direct. Tu vas le faire, je le mets direct. Hop. Tac, comme ça on est pas mal. Non, on a semé tout ce qui était à nous. Alors, faudra voir pour acheter les parcelles. Hein. Parce que maintenant, on commence à être pas mal en termes de d'organisation. Après, il restera toujours le projet d'ici là de gérer les stocks. Hein. Il y a beaucoup de côté. Et que Pauline est dessus en plus, donc au pire, on pourra toujours la mettre à aider. 40 000 euros. Je vais attendre encore d'avoir un peu plus. J'aimerais bien qu'on monte à 150 000 pour avoir une petite marge de travail. Qu'est-ce que ça au niveau du score? 2,5, on est monté un petit peu ici. Donc ça, c'est bien. 2,9. Projet global, donc c'est pas mal. Perte d'environnement, on est bien. Toujours la consommation d'énergie, même si elle a baissé un petit peu quand même. Allez, hop. Alors, on va prendre un cochon à vendre. Ouais, par contre, il va falloir qu'on passe les moissons là parce qu'on a plus de 20 tonnes de maïs. Ah, j'avoue que là, 129 000, j'avais dit que j'attendrais les 140.
150, mais 129 000. Hop, on va lancer l'atelier de transformation. Requête la recherche politique locale. Ah, mince. Ouais, tant pis, on en vendra pour faire la map. Hop, tac. Ça, c'est bon. Normalement, je pense que notre. Ça, je peux péter par contre. Je peux péter. Alors, j'y vais. Le triplicat devrait pas tarder à être mûr, je pense. Avec un peu de chance, on pourrait peut-être semer derrière directement du sorgho maïs. Alors, choisissez une stratégie. Oh, bon, on va prendre un petit rendu en table 2, hein. Puisque de mémoire, on est largement au-dessus. On a 2,5. Donc, hop, celui-là. Alors, on a de la vente de cochons. Tac. On est dans l'organique. Ouais, je m'écarte. Tac, c'est bon, tout est fait. Là, ça se construit. Super. Là ici on n'a rien à faire. Là on a grandi, bah ouais, il nous faut des panneaux solaires, c'est vraiment ce qui nous manque. Ah, ici on peut faire encore quelque chose. Allez, dans le extérieur, mais dans tout... Ah si, on peut. Requiert et grand faire agression niveau 1 et en gros, ok, c'est des enclos. Ouais, augmenter bien être animal, ouais, mais le problème c'est que voilà, déjà que sur le l'environnemental, c'est là où on est un peu le moins bien. Je préfère attendre. On soit bien arrivé là à 3 par exemple sur l'environnemental pour pouvoir augmenter les rejets. Et là dans la recherche on en est où? On a toujours 20 tours. 20 tours ça fait 10 mois. Ça va encore, c'est pas non plus catastrophique. Moi je me tâte à acheter un bout de terrain quand même en plus pour me faire des. Quand je n'achèterai pas ces deux bouts de terrain là. Combien ça? Ça coûte 15, 25 000 là. Allez, hop, j'achète. Ouais, on fait les haies autour. Et alors, est-ce qu'on pourrait se faire. Ouais, on peut faire un maïs. Maïs ou sorgho? On va faire maïs. Là, tu fais pas grand chose. Voilà. Ok, c'est pas mal ça. La vente des cochons. Ah, ça y est, on a accès à l'ancienne éthique. Pour la vente. C'est 20% de marge en plus, donc ça c'est cool. Hop, l'auto-renouvellement. Ça veut dire que en score environnemental, on est arrivé à 2,6. Donc on a pris un point et 3,2 partout. On est encore à 3 au total. Donc c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais je voudrais essayer de stabiliser déjà ce score de 3. Mais au pire, on verra peut-être pour acheter. Moi, je serais bien d'autres parcelles en plus, en fait. Ouais, ça coûte cher par contre. C'est grand. Ah ouais, c'est encore plus cher. Donc finalement on va acheter les parcelles les moins chères. Bon après il y a des petites ici, ça peut être très cher, mais quand même 10 000 euros. Pareil. Ça me prend mieux, ouais, non. Là, ça coûte un peu trop cher les parcelles, on va attendre.
pour investir. Allez, on va transformer un peu d'engrais comme ça. Ça nous fera toujours un peu de bénéfice. Hop, toi c'était 200. Non, c'était très très 200. Hop. C'est toi qui en avais 200 alors. Toi, faut même que tu montes à 300, je crois bien. Ouais, on va tenter à faire 100 000 de plus. Et toi, tu peux en faire 100 000. Ok, c'est bon. Et du coup, si on fait un petit point inventaire, il est pas très bon, on a déjà 2849 tonnes d'engrais à vendre. Là, j'ai la cire aussi que je peux vendre. On verra après. Alors. Nouveau stratégie, objectif critère environnemental 3,5 dans 4 tours. Ah ouais, non, on peut pas 23, même le 3. On l'a le. Non, c'est pas ça. Bon, environnemental, on n'aura jamais le 3 de toute façon. Donc 4 tours, donc il faut qu'on prenne le 2. On n'aura que 5 000 euros, mais bon, toujours pas de prix. Vaut mieux viser les 5 000 et les obtenir. Hop. Là, j'ai l'impression qu'elle prend rien là. J'ai mieux réparti les tâches, apparemment. Je me souviens plus à la fin en partant. J'ai fait. Hop. Et ça, ils sont de voir là ici. Ouais. Mais bon, quand on va voir la télétransformation, là, ça va nous occuper aussi. Mai, 15 mai, on va pas tarder à récolter le trédical là, non? Il n'y a pas de clan d'être mûr, non? Pas encore. Ouais, on a bien acheté les terrains parce qu'on a que 53 000. Non, Stein a 2 sites ici. Mais ça va, la consommation d'énergie là. Le volume remonte là. C'est l'autre. Ah, ça y est. On gère la transformation des produits et la chambre froide. Et les produits de votre boutique sont maintenant vendus 70% plus cher qu'en magasin. Vous reprenez les carcasses. Okay. Les indicateurs du territoire augmentent. Ça, c'est cool. Donc, transformer. Pourquoi il y a 0 colline? Ouais, voilà, c'est pas ça que je comprenais pas. Pourquoi ils mettent 0 là? Je sais pas. Erreur, apparemment, ça arrive des fois. Ok, bon, on est bon hein. Allez. Bonjour, vous allez bien? Je vous rappelle que c'est le dernier mois pour planter. Ok, bon, merci Jean-Baptiste. Objectif atteint. Merci, 10 euros, ça fait plaisir. Ah ben voilà, ça y est, notre calémur. Hop, on vend un peu de cochon. Tac, nickel. Alors. Tac, c'est la climat qui travaille. C'est cool d'avoir la cuna. Ça nous charge un peu moins en travail. Là, on va avoir un petit tour à faire. Hop, 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 premier tour. Par contre, du coup, est-ce que l'on peut semer? Ouais, on peut se faire du sorgho. Je pense qu'on continuera à faire le système avec le petit cal parce que l'avantage c'est qu'il permet de faire deux cultures dans
trois récoltes sur deux ans en fait. J'ai pas envie de racheter une parfaite du turbo. On prend la liste, c'est pas grave. Allez. Hop, un peu de pito. Tac. Tac, on est bon. On est bon. On est content, on est bon. Si on fait un petit point score, on est bien. Allez. Tac. Vous pouvez passer là? Il n'y a rien à faire. Et que se passe-t-il? Encore 7 tours. Passé ou pas? Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Oh, j'aime que le tour soit passé moi. Bon, de toute façon, il n'y a rien à faire. 1er juin, on va arriver au 15 juin. Ah, on pourrait passer le 15 juin même. Rien de mieux qu'une météo 1, le rendement final au parcelle, il augmente 10%. C'est bien, merci. Hop. 69 tonnes de triticale, ouais, ça va, c'est pas mal. Et tac, donc au renouvellement, hop, là, 2-7, ça monte là sur le score, on est passé à 3-1, là 2-7 ici, donc ça c'est cool. Cool, hop, on avance, on va essayer d'avancer un petit peu quand même, hein, puisque le but ça serait de pouvoir venir, allez, 5000 euros de gagné, super. Hop, un peu de perfi. Parce que pour me faire la dernière partie, ouais. On va mettre la Kina ici. Par contre, 1er juillet, pas sûr qu'on puisse ressemer quelque chose. On va voir. Et on peut ressemer en semaine, sinon on fera un couvert. Pour ressemer. Ouais, là il n'y a plus rien. 1er juillet, je pense qu'on peut plus rien semer. Il faudra faire cacher des semences. Non, on n'a plus rien. C'est trop tard. C'est pas grave. On fera un couvert. Et d'ailleurs, je vais regarder ici qu'on a semé sur couvert. On est à 1,25 en score de fertilité, donc c'est bien, on augmente à chaque fois. Alors que là, on est à 1,3, mais quand on va avoir fait les traitements phyto, on va redescendre à 1,25. C'est plutôt pas mal. Allez, effectivement, tour suivant. Donc on a gagné 4000 euros sur le tour. Bien, on a donc ouvert à semer. Hop, j'en manque un vent. Tac, tiens. Et les pilleurs végétaux à mettre en place. Ok, allez, je vais lui mettre le petit. Et du coup on fera certainement un critical sur ces parcelles là. Non c'est, oui c'est de l'orge de printemps qui est dessus. On va regarder un peu ce qu'on dit. On regarde un peu les infos. Donc ça vient de. Ouais, dans ce cas un blé qui est dessus. Donc quand on se fait un critical. Ouais, à voir. Ah c'est déjà avec quoi, c'est quoi dessus? Dans l'hiver. Un peu les stocks de bouffe pour les cochons. Parce que ça donne quoi là si on prend un peu. Non, pas le marché, je voulais un peu en terre. Là, on va pas retransformer un peu de litier aussi. Mais sinon, on a plus que 26 tonnes, 172 de blé et 225
d'orge. Donc, c'est pas mal, on a bien refait les stocks. Du coup, on a dit qu'on allait transformer un peu de millier. Ouais, tu peux en faire 400 000, toi. Non, 300, alors. Tiens, si je t'en fais faire 300. Ouais, tu m'embêtes. Il faut en faire 250, alors. Bon. Vendu pour 250. Est-ce que tu m'en vas faire 250 de plus? Vendu. Oh, mais c'est pas possible ça. Si tu n'en fais pas 150, oula. 51, 0, 0, enfin, non plus, 510. Oui, il y a 251, 444%, et puis finalement tu prends des orques. Hop, si on fait un petit point score, on est à 2-7, on est bien monté, hein. 2-7, 3-4, 3-3, ça monte bien. Ça monte bien. Il faut qu'on fasse le point aussi là sur nos emprunts où on en est. Hey, comment ça va? Bah, écoute, pas mal et toi? Tu as vu que le gars d'à côté a installé un méthaniseur? Ah ouais. Bah si, ça m'intéresse moi. Transformer la matière organique en énergie renouvelable depuis le méthane. C'est un gaz qui permet la production d'eau chaude et de transport. Ouais. Oui. Et oui, moi ça m'intéresse. Oui, bon, après je peux rester raconter. Moi surtout, je voudrais savoir si on peut avoir accès. Non, on n'a pas accès au méthaniseur. Oh, c'est dommage. Bah oui, première route récolte. Mais sans préjugés. Pauline, t'as un peu de temps pour me le faire? Ouais, super, merci Pauline. Protection renforcée des phytos. Qui c'est qui veut faire des phytos? Iris, tu veux faire des phytos? T'as pas le choix, tu fais des phytos. Là, on passe en couvert végétal. Allez, je m'y colle. On va passer en première route, on ne peut pas se mettre encore. Par contre, je vais pas tout pouvoir faire tout seul, moi. Hein. Oui, je suis en train de perdre la tête un peu, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. T'es un peu chargé, toi. Tiens, il réussit mal là. Ouais, ça c'est pour ça y aller. J'espère que tu vas t'en servir plus tôt. Allez, tant pis, je m'y colle. Hop. On va se voir celui-ci. Oh, mais c'est pas possible. Hein. Oh, on n'est pas trop de 4. Hein. Moi, je le dis. Hein. Là. Bon, oui, c'est fait. Là, c'est les gros rushs, là. Il n'y a pas de vente, c'est vrai. Non, il y a pour une nouvelle vente, mais pas de vente. Oui, non, pardon, c'est notre ligne. Alors, c'est quoi qu'on avait semé là? C'était l'orge de printemps. Toute façon, là, on va pas pouvoir. On peut ressemer, mais c'est trop tôt pour semer alors. On est au 16 août. Au mois d'août, y'a rien à semer. Et là, on se attend de septembre pour les premiers blés. Blé tropical. L'avoine, je préfère de l'avoine, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'avoine. Ou alors, je lui manque couvert là, les trois parcelles pour. Qu'est-ce qu'on dit là, sur cette parcelle par exemple. Maïs orge. J'avoue que si on pouvait laisser reposer pour faire un sorgho par exemple derrière, ça ferait une meilleure alternative que de refaire de la paille dessus. Non, mais on est pas mal là. C'est pareil, ça fait quoi, c'est du blé. Ouais, ça passe en culture de printemps. Ça serait mieux. On n'a pas le chronostop, je suis en train de lancer d'ailleurs sur ce jeu. Premier septembre. On va vendre des trucs cochons. Tac.
On peut faire du couvert. Vous voyez, on a demandé du couvert. Mais quand qu'on peut vendre quelques cultures d'hiver. Qu'est-ce qu'on a comme terre de libre ici? On est sur un blé. Moi je connais quelqu'un. Pardon, je vais voir les infos d'abord parce que on est un petit peu blé aussi. C'est blé tropical et comme ça derrière. Non, pas blé. Et comme ça derrière on pourra. On ferait 2 années paille et après on fait maïs orge. Bon, ici c'est sur le blé. Voilà, tout ce qui est en blé je le place en tropical. Et comme ça, on se fera. J'arrive à parler, hein, grâce à vous. On fera un maïs derrière, ou un sorgho. Ça va faire semer. Ces 3 parcelles-là, on va les garder pour plus tard. C'est des parcelles que j'avais achetées quand elle était en maïs. Hop. Et du coup, elle, par contre, on va les reconnaître direct en. On va lui faire du blé d'ailleurs. Oui, pardon. C'est difficile qui allait faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Un petit temps. Ah bon, bien, entièrement, on en est pas mal. Qu'est-ce qu'on a en stock du coup? On a 33 kilos, ça va pas aller loin. On a 225 tonnes d'orge d'hiver, donc ça c'est bien. Un peu d'orge de printemps. On est pas mal au niveau des stocks de nourriture. En plus, il nous reste le sorgho encore à récolter. Ça va. La saison des semis commence, j'ai pas commencé, je t'ai pas attendu mon petit gars. Ok. Alors du coup, hop, un peu d'engrais. Pour les parcelles. Hop. Un peu de vente. C'est bon. On est plutôt bien. Dans nos recherches, on en est où là? Je suis tout. Ouais, super. On va refiner ça. Et tant qu'on est en train de regarder les documents là. Il nous reste 2 ans sur l'un, 2 ans et on va dire sur l'autre. Ça va. Et l'avantage c'est qu'on aura les bâtiments donc c'est moins cher puisqu'on aura fini la recherche. Hop, le cours des céréales est en baisse. Production de récolte se vend 5% moins cher. C'est pas grave, je les vends pas, je les consomme. Donc, encore un. Et j'avais pas du sorgho là en train de pousser là à mon roi. Il est pas mûr lui encore. Pour l'anniversaire et voilà, hop, on a fait 1 an. Un départ de feu à mais mieux le feu à votre bâtiment porcelain. Les pompiers sont par chance arrivés à temps. Pas besoin de 100 porcelets. Ah oui, c'est mal ça. Vous pouvez en passer pour 5 000 euros, ce qui représente une perte d'exploitation de 13 000 euros. On est à partir d'un bâtiment coûte 5. Le niveau 2 rembourse 9 000, ramasser. Bah, ouais, peut-être qu'on va mettre un petit coup d'œil là sur nos. Sur nos assurances et prévoyance et compagnie, là, ça peut être pas mal. J'avoue que je l'ai fait au début, mais maintenant qu'on gagne un peu mieux notre vie.
On peut peut-être améliorer les choses, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, par contre, les ports se vendent moins cher parce qu'on était à 29 000, là on a 26 000. Hop. Ok. Ça sent pas une on peut rien semer. Assurance. Allez, on va passer en niveau 3. Là, autre produit. Allez, tiens, on va activer l'épargne retraite. Et là, on a déjà 14 000 euros de côté. Hein. Ici, qu'on peut récupérer en cas de rupture. Et si on passait à 1 000 euros par mois? Ça fait pas mal. Ça fait 1100. 425, 1500, allez. On va être fou. On va mettre ça. Une 350, 400 euros tous les mois. Qu'on met de côté, et au pire, on pourra se récupérer. On pourra se récupérer. L'épargne retraite, c'est juste pour les conditions de travail, donc on verra au pire. Même si là, je pense que en social. Conditions de travail, ouais, de toute façon on peut le monter, on est même pas à 3, donc on arrive à 3 en environnemental, ça c'est cool. Allez. Ok. Et là, un peu de vente. Ok. Alors, ça y est, le sorgho est prêt à être récolté. Donc c'est bien, ça va nous faire un peu de stock de bouffe aussi. Tac. Et du coup, derrière, on va faire aussi du couvert. Et on va avoir pas mal de boulot de semis, par contre, j'ai l'impression pour... Ouais, dans la moitié environ. Hop, allez, un petit tour. Tac. Allez, hop, on passe par là. Quatrième chose, on répond aux questions, je crois. Non, mais. J'ai fait mon choix. Alors, label pour. Élevage sur taille, je l'ai. L'élaboration pour la recherche, je l'ai. Critère social, 3 sur 5. Je devrais l'avoir. Le bio. Tout m'intéresse, en fait. En tout extérieur, je l'ai. Critère social, je dois l'avoir. Critère environnemental, à 3, je l'ai. Donc ça, c'est bon. Et ça, procédé couvert, j'ai les panneaux photovoltaïques, je les avais pas les poteaux photovoltaïques. Allez, mais je veux pas forcément faire de bio, moi. Là, faut qu'il a... Mais j'avoue que les récompenses sont quand même intéressantes. Ah, c'est quand même plus intéressant en bio, mais ouais, tant pis. C'est vraiment parce que c'est plus intéressant en bio, même si j'y crois pas du tout, mais bon. On va faire avec. Hop. Ah, c'est à moi ce champ là. Il y avait quoi avant? Rien. Orge d'hiver, d'accord. Hop, on va faire tous les couverts. Son 1er décembre. Je suis même pas sûr que réellement on fasse des couverts au mois de décembre. Hop. Non, on a 80 tonnes de sorgho, ça va quand même, on est pas mal.
On a quand même du stock. Ben oui, vendre. Ben, c'est pas mal ça. Objectif atteint, super. Amélioration de l'autonomie. Indicateur d'état de la plus 0, indicateur consommation d'énergie. Ça, c'est cool par contre. Ok. Je ne savais même plus que j'avais pris des objectifs comme ça. On est à 5 en bien-être animal, on est au max, ça c'est cool. Dans les mentales, on est passé à 3,1. Ça me plaît. Ah, et perte d'alimentation à 4,17, donc on va pas faire les encours extérieurs parce que même si on baisse un peu, on a un peu de marge. 2,60, 2,34, on consomme d'énergie. Ouais, on est vraiment bien là. Hop. Oui, pardon. Pardon, je vais dire qu'il faisait quoi. Ça descend toujours. Il passe qu'on transforme divisé, mais j'ai un peu la peine. Si on fait un peu le tour de l'équipe, là, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir. Ouais, ils sont tous dans le rouge, là, par contre, l'équipe. Comment ça se fait? Comment ça se fait? On va baisser un peu pour pas qu'il soit au... Hop. On va le mettre à 95, peut-être que ça sera mieux. Lisa. Boucherie. Hop, 0. Culture, 0. Hop. Parfum. Enfin, je lui baisse tout, on va bien voir. Hein. Pourquoi il met de l'administratif? Il va pas bien faire l'administratif, c'est moi qui le fais. Le client. Hop. On lui met tout à 0. Histoire de voir si ça y joue sur la forme globale. On va essayer de la tenir à 4 administratifs, ça je te l'enlève complet. L'apiculture, je te le laisse, mais pas à 100%. On va prendre 5% pour 86. Client 9, boucherie. Hop, et culture, ça se fout à 0. Ok. Il reste Iris. Ah, ils sont vraiment tous. À fond, on boucherie, j'enlève déjà culture. Je vais voir si j'enlève à 77, si elle remonte plus que les autres ou pas. Voilà, comme ça, 77, dans tout qui sont bien chargés, sauf Iris. Et on verra ce qui se passe si c'est mieux. Mon personnage. Hop, là, on va se mettre un peu plus d'argent. Et puis voilà. Et ça nous a pris une heure pour faire un an. Ça passe. J'ai pas l'impression que ça fait une heure déjà qu'on a commencé. Hop, les petits cochons, on les vend. Paf. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire là? Ah, oui, bah tiens, justement, les abeilles. Un peu d'entretien.
Et là qu'on a passé un tour, est-ce que au niveau de l'équipe. Ouais, il me semble que ça remonte, hein, qu'on n'était pas aussi bas que ça. On va voir, on va surveiller ça. Et au niveau du score, là on est toujours pareil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis on est assez proche quand même, il n'y a pas trop d'écart. Il n'y a pas un domaine dans lequel on est vraiment. Score en numéro 3, plus vente, plus 15%. Ah, ça c'est super. Indicateur, plus 0,1. Ça c'est cool. Les prix personnels, plus 0,1. Ça c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a à faire? Ça. Okay. Recherche terminée, c'est ce que je voulais. Comme ça, on va pouvoir démarrer autre. Et là, financièrement, on commence à être pas mal. Donc, on va faire des blocs, l'amélioration panneau solaire. C'est ça que je veux débloquer absolument. Hop. Et là, on aura les coûts des bâtiments qui sera moins cher normalement. De l'agrandissement des bâtiments. Enfin, bon, on est là. Hop. Juste faire un trou ici. Là, on est remonté à 3-2, 3-7, 3-7. Et du coup, normalement, là, si je regarde pour. Ah, j'ai pas l'agrandissement. Ah non, faut que j'ai fait l'agrandissement d'ici, je pense. Et ça baisse. Je sais pas si ça a baissé un peu. Vous voyez, 240 000. On va bientôt pouvoir se le payer même en cash. Ce serait bien ça si on pouvait se financer sans faire d'autres emprunts. Même si là, si on regarde au niveau finance, on a 16 000 euros de côté là, ici en plus. Au pire, là, on pourrait peut-être essayer de monter un peu ça à 2 000 euros de côté, de 2 000 euros par mois, comme ça on se fait une petite trésor qu'on pourrait récupérer. En emprunt, là, il nous reste 20 mois, donc un peu moins de 2 ans, et 2 ans ici pour le finir. Donc il y a moyen de faire des choses. Du coup c'est bon. Alors attends, on va regarder un peu l'équipe là. Est-ce que ça remonte ou pas? Ouais non. Je comprends rien dans leur truc là. Endurance basse, indicateur condition de travail, baissera au passage du tour. Ok, mais on fait comment pour leur remonter l'endurance? Elle est à 75% d'occupation. Et malgré tout, elle est basse. Ah, et parce que ça, c'est revenu à fond. Ah, mais attends, s'il faut à chaque tour, il faut rebaisser ça, moi ça va. Non, ça va pas être cool. Elvina, là, du coup, c'est pareil, il faut trop baisser. Qu'elle soit dans rouge. C'est quoi ça? C'est pour ça. Oh, c'était la mine, hein. Oh, non, pas bon. On bouge les 0. 0. Ah mais en plus ça la prend pas en compte. Ah non mais d'accord, si je le baisse mais que ça la prend pas en compte, c'est nul. Là, je valide. Et si je reclique dessus, ça revient à 100% à chaque fois. Bon tant pis, on laisse tomber. Au pire, je contacterai les développeurs pour savoir, pour comprendre.
Hop, là on a quoi, un peu de vente à faire et de renouvellement. Premier mars. Hop. Un petit peu de travail au rucher. Tac. C'est trop tôt pour semer de toute façon. On peut faire la luzerne, mais la luzerne ça ne nous intéresse pas. L'avoine de printemps et culture de printemps, ouais. On était sur. Ah, sur le. On était sur le sargot là, il me semble. On pourrait se faire des avoines de printemps. On fera du maïs. On fera du maïs. C'est pas mal. Trois conditions de travail, on est bien, donc c'est bon, ça marche. Là, on est pas mal. 16 mars. Toujours fait de printemps parce que le maïs c'est avril. Mais je trouve que le sorgho c'est pareil. Hein. Du coup, la recherche elle reste en tour. Je pense pas qu'on ait la recherche. Le 1er avril. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Corian table 2. Ben oui, de toute façon, c'est ça. Hein. On est sûr de l'avoir. Et du coup, là, on va pouvoir commencer à semer. On va se faire du maïs. Hop. Hop, on va acheter 4 tonnes de maïs. Non. Et sur le sorgho avant, c'est le sorgho maïs. Ici, si, du coup, je sais même plus ce que c'était. Je suis un peu perdu. Alors là, on va pas refaire du maïs par contre. On arrête un peu. Non, pardon, ce que je voulais d'abord, c'est ça. Orge, ah non, mais là, on prend un sorgho. Le reste, qui reste, les 4 parcelles qui restent, on les prend en sorgho. Ah, succès expert social. Ah oui, parce qu'on passe en vert sur le social, là, si on regarde, on est à 4. 3-8 en éco, 3-3 en. On est vachement bien, hein. Environnemental. Donc on est plutôt bien. Hop. Tac. Et là donc du coup j'ai dit que je prenais le sorgho. Pareil, on va s'acheter. Hop. 4 tonnes de sorgho. Il y a un peu d'autres quand même. On peut se passer chez nous. On va peut-être par celle-là.
Là on est bien à 1-3 et je pense que là aussi on doit être à 1-3. Non, on est pas mal là. Ben c'est bon. Tout est fait. Quand on envisage d'agrandir un peu. Alors, 3, 3 et demi dans 4 tours. 3 et demi dans 4 tours, on n'y sera pas. Par contre, 3, on y est. On va y aller. On a 230 000 et si on regarde là l'agrandissement, il y a 942 000, donc on va bientôt pouvoir se payer. L'avantage c'est que si on fait pas d'emprunt, on casse un peu notre trésor. Alors on s'en emprunte, mais tu as très peu de temps. Ok. Les apports de vote au forgo. Par contre, j'ai mon petit nickel là, c'est venu, il va pas tarder normalement. Ça va être bien. Oui, dernier mois complet, merci. Allez, 12 000 euros de gagné. Super. Hop, un coup de couteau. Sur les maïs. Bref, on va commencer les récoltes. Un peu de vente. Deux points 41 000. Ouais, on commence à avoir à approcher. Plus que d'approcher, d'ailleurs, on doit quasiment y être à la somme qu'il nous faut. Mais bon, une petite marche quand même pour pas se retrouver non plus avec le compte à zéro. Ici, c'est pas mûr, ok. Ah non, on avait fait du blé derrière là-bas. Hop, allez, on va ressemer un forgo là direct. Tac, on est bon. Si on projette un peu là, au niveau du moral des uns et des autres, c'est toujours pareil, il n'y a rien qui change, je comprends rien. Là-dedans, plus que 16 mois, c'est bien. L'assurance, là, voilà, maintenant on a mis 24 000 euros de côté. Donc on est plutôt pas mal. D'accord. 3,5 en environnemental, c'est cool. Mais ce qu'il y a, c'est que je voudrais pas tarder derrière les arrondissements à poser les panneaux solaires en fait. La pluie, c'est bien, sauf quand ça dure trop longtemps. Et que vraiment, au final, le coût de voir cette journée à 10%, tu peux faire 8 000 euros. Votre assurance serait à niveau 3. Vous rembourse 6 400 euros. Ok. Le juin, est-ce que je peux ressemer derrière mes blés là par hasard? Ouais. On ne ferait pas un dernier maïs sur le blé, là, il y avait quoi là? Il faut qu'il y avait. On a fait maïs blé, non, on va refaire en forgo. Tac, voilà, ah, mais il y a du boulot là. On va vendre. On va
va auto-renouveler. Et on va faire les tutos. Voilà, cette deuxième année va un peu plus vite. C'est cool. Allez, 7500 euros de gagné, c'est bien. Enfin, du coup, envisager l'agrandissement. En sachant que du coup, là, on a 15 000 de côté, c'est pas non plus une fortune. Le score ici, il a pas trop bougé. Ok. Ça a coupé, ça a essuyé. On a à faire un coup de couteau, un an d'engrais. Ok. Tac, on est bon. Et la récolte de miel. Cousine. Bon, une fois qu'on a repris le rythme, ça va mieux quand même. J'avoue que j'ai un peu de mal à mettre en route au début. Allez, ça y est, on a atteint les 300 000 euros. Notre recherche là, il nous reste quoi, 20 tours encore. Et derrière, je partirais bien sur l'agriculture de précision là, pour débloquer les pitots et tout. Je pense qu'au niveau du score, ça nous arrangerait un petit peu. Parce qu'avec le score social, là, on est trusté par deux trucs qui sont bien. Il y a quand même des efforts qui nous baissent un peu, mais ça, voilà, on pourra débloquer après. L'économie, c'est à peu près, c'est assez régulier, même si voilà, il y a de la forcément élevé, et si on pioche dedans, ça va nous faire chuter. Et en environnemental, c'est pareil, on est plutôt pas bien. Bien, il n'y a qu'à consommer d'énergie, mais dès qu'on aura posé les panneaux solaires, ça ira de suite mieux. Et du coup, je me dis que. Ah, par contre, on a plein en fait de bouffons. Ok. Tant qu'on est là, je pense que ça, je vais l'augmenter là. On va mettre 5 000 euros par mois de côté. Comme ça, on prend 1%. Ça fait 10, ça fait 50 euros. C'est pas énorme, hein, 50 euros, mais bon, c'est toujours ça de prix. Mais surtout que ça peut nous permettre de. Voilà, on met plus. Ah, attends, on peut régler comme ça. On tente à 20 000. 20 000 par mois. Et en fait, on va essayer plutôt de mettre l'argent là-dessus. Et quand on voudra acheter la construction,
quand même 25 000. On va faire comme ça. Ouais, voilà, 26 000. Et un peu plus vite. Et quand on aura l'argent ici, là, des travaux, d'agrandissement, on les récupérera et on achètera. Faire ça comme ça. Hop, j'aimerais bien pouvoir mettre de côté 26 000 euros tous les mois, moi, perso. Déjà, les gagner. Parce que pour les mettre de côté, il faut les gagner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on récolte là? Je sais même plus ce que j'ai semé ici. C'est du maïs, ok. Et du coup, là, on a un 3, donc ça, c'est bien, on est passé. Hop. Et du coup, voilà, on fera peut-être du tour d'égal là-dessus. Hein. Un peu de paille là, parce qu'on a fait. Sorgho maïs, là, si je dis pas de bêtises. Ouais, triticale, sorgho, maïs, on peut reprendre triticale en fait. Ou blé. Ou blé pour changer, ça c'est pas mal. Ok. Et on n'est pas en période de semis par. Hop, 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 on vient par la peau. On n'est pas en période de semis par hasard. Ouais, si, tiens, regarde. Hop. Là, on ferme direct, on laisse pas se reposer la terre. Hein. Il faut qu'on achète du blé. On va prendre 5 tonnes de blé. Contre corps, on est à 1,35, c'est bon. Ça monte tranquillement. Ouais, et ben, je t'ai pas attendu, mon gars, pour commencer à semer, c'est déjà fait. Hop, même si on récolte. Là, on est sur de la récolte de sorgho. Donc on verra, peut-être qu'on mettra un couvert pour semer une paille au printemps. Genre une orge de printemps ou un truc comme ça. Tac, parce que dessus on a fait quoi? Comment on a mis de sorgho? Ouais, là faut qu'on passe sur la paille. À moins qu'on puisse ressemer une paille directe. Ouais, on peut faire, on va faire plein de l'orge, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'orge. Oh, hier, hop. Ouais, Capcom. Hop. Tac. Bon, je vais pas l'escalader. Non, je savais ce qu'il y avait, j'ai un doute là. Mais non, si j'ai pas fait trois voix. Ok, bon, on est bien. Hein. Hop. Le cours des céréales est. T'en baisse encore. Alors, ça peut me laisser, pas possible. Hein. Engrais organique. Tiens. Hop. Voilà, je suis devenu passion et dans le pré. Et okay. Ouais, j'arrive à 1,4, je pense que c'est pour ça. On est plutôt pas mal. Hop, ici on a 2 auto-renouvellements. Une affaire et un peu de vente. Oh, ça baisse, le prix baisse encore. Hein.
Qu'est-ce que ça dit là? On a un environnemental, j'ai deux trucs en plein vert, ça c'est cool, la gestion des sols. Et les pertes de l'environnement. Donc on est plutôt bien. Là, ça va bien. Et là, on a trois en vert carrément. On est top. On est arrivé à 4 en score global, c'est plutôt bien. Hop, point anniversaire, ok, merci. Succès verrouillé, expert économiste. Par contre, je sais pas quoi correspondre les succès déverrouillés, les succès Steam. Ah, c'est bon, c'est fini, on a fait tout ce qu'on avait à faire, allez. Bon là je passe un peu les tours un peu rapidement et vous voyez on a deux scores en vert complet là. Puisqu'on a passé les 4 sur 2 et l'environnemental on va y bientôt on est déjà à 3-8. Donc c'est plutôt pas mal hein. C'est plutôt pas mal hein. Je pense que dès qu'on aura construit des agrandissements et surtout des panneaux solaires, ça va vraiment nous faire grimper. Hop, ouais, ça y est, un peu de boulot, ça changera. Hop. J'ai semé tant de choses que ça en même temps. Je vais stop faire un. Ah, il a un seul, c'est la récolte. En novembre, récolte. On récolte quoi? Du sorgho. Ok. Ça, par contre, on va mettre ça en couvert et faut regarder ce qu'on a fait dessus. C'est quoi? 4 sorgho, donc on pourrait faire un maïs dessus. Non, parfait, on est au 16 novembre. Et bien attendez, parce que là, du coup, ça veut dire qu'on a fait 2 ans et qu'il est déjà midi moins 10. Voilà. Multinational, carrément. Alors je sais pas du tout à quoi correspondent ces succès. Alors là, en couvert, ouais. Hop, on y va. On a plein de boulot. Mois de décembre, ça ne s'est jamais arrivé, je crois, d'avoir autant de boulot au mois de décembre. Notamment une récolte de sorgho encore. Okay. Tiens, qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a un peu de tuto à faire. Hop. Et là, on vend. Allez, le cours a encore baissé, hein, les cochons, apparemment. Si on fait un petit point finance, on a déjà 100 000 euros de côté. Plus les 250 ici. Mais c'est surtout cette somme-là qui m'intéresse, parce que c'est avec ça qu'on va financer les travaux. Au niveau de l'emprunt, il nous reste 10 mois et 15 mois, donc on pourra peut-être refaire un deuxième emprunt pour l'autre agrandissement de bâtiment par contre. Ça va un peu nous plomber notre score économique, mais bon, en économie, là, on est plutôt bien. Ouais, c'est environnemental surtout, on peut arriver à 4 ou 6, c'est bien. Mais ce qui nous coince, c'est la consommation d'énergie, je pense. Allez, hop. Mais de toute façon, je pense que là, on va s'arrêter là pour ce jeu-là et on va passer sur. Je vais passer voir José, ok, super. Je m'en fous un peu.
Oh oui, je suis dans la même démarche, j'espère que ça fera effet. Ok, très bien. Hop. Auto-renouvellement. Un peu de vente. Ouais, heureusement qu'on a fait du sorgho parce qu'on n'a plus que le sorgho en stock et on a tout consommé déjà. Qu'est-ce qu'il reste à faire là? Ah bah il est ouvert, c'est bête. Alors c'est mieux parce qu'on n'a pas de semences à acheter pour les couverts, ça s'achète de la parade. Voilà. C'est une entretien du rucher. Non d'ailleurs on avait dit que c'était Pony qui le faisait. Hop. Ok. Notre recherche, on en est où là? 9 tours, hein, on y est presque. Hop, on prend nos cochons toujours. On va trop vite, ça bouge plus là. Ici. Ok. Et du coup, là en finance, on a 109 000, mais on avait tout à l'heure 109 000. Ah mais c'est tous les mois là, on a dû avancer de 15 jours, c'est pour ça. Hop, 1er février. Et là du coup, si je regarde là, ouais, 36 000. Hop. Là on passe vite hein, parce que c'est l'hiver, il y a rien à faire. Hein. Je pourrais transformer du lisier mais j'en ai un petit peu marre. Par contre j'en ai avoir en stock à vendre. De 3 millions de litres d'engrais, ouais, il y a tout ça. Ah on a 460 étant donné qu'on avait moins que ça à vendre. Ah mais c'est que j'ai fait deux récoltes et. Il veut pas le vendre mon miel? Oh. Voilà. Oui. Hop, on va vendre tout ça. Alors non, là, on va faire en 9,99. Oui. Et voilà, bah du coup si on faisait un peu de transfo, faut vraiment qu'on fasse ça, ça peut avoir du coup. Hein. Ça part un peu dans tous les sens là. En production, en lisier, ouais j'ai 4 millions de lisier. Ouais j'ai la flemme. Hop. On avance. Je vais juste débloquer les panneaux solaires moi en fait. C'est tout ce qui m'importe. C'est pour ça que j'avance un peu. 1er mars. Je crois qu'on a dit qu'on faisait de la paille de printemps là. Hop, sur ces parcelles-là. On avait quoi? On va la finir sur sorgho. Non, là on fait maïs. On peut faire maïs derrière sorgho. Et là aussi. Donc on va aller. Ça sera tout du maïs. Hein. Donc encore un peu tôt, il y a encore 15 jours à passer. Ben c'est pas bien. Tac. Bon, à force je connais les trucs, donc c'est que ça va un peu plus vite, un peu moins drôle. Hop. Tac. 1er avril, on peut démarrer les films maïs.
Merde. Allez, voilà. Donc là, est-ce qu'on est monté un peu? Oui, on est passé à 3-9, on y est presque à 4 là. Tout ça c'est fait en maïs. Bon après faut qu'on voit pour faire des achats de terrain aussi pour agrandir hein, parce que du coup si on a. J'avoue que là en production on a un peu ric-rac. Une tempête de grêle, oh mais je suis remboursé de 4000 donc ça va faire que 1000 euros. Hop, auto-renouvellement. Tac, qu'est-ce que l'autre Ah j'ai rien fait sur celle-ci. Du coup qu'il y avait sans gros, bah faut que je fasse la maïs là. Hop. Ah, je me dis, ça va, ça va. Expert écologique, super, merci. Qu'est-ce qu'on est dans les 16 avril? On achète bien quelques parcelles en plus. Mais, pardon. En fait, il y a qu'un grand à pour acheter. On démarre de là. Ah mais en plus c'est à moi ça. Oh. J'avais oublié. Ah oh, bah celle-ci aussi bien. Il y avait quoi là-dessus? Orge, ok. Donc apparemment je les exploite plus celle-là. Fargo il est où? Il y a. Non mais cimetière. Non attends, il y avait quoi là-dessus là? Ouais j'ai des tonnages d'hiver, ok, bah c'est certaines que j'ai dû garder pour ce beau printemps que j'ai oublié alors. Ok. Et ça s'achète combien? Hop. Voilà. Un peu à grandir, c'est même pas du coup si on peut le voir dans l'inventaire parcelle, mais du coup faut faire les additions si on veut une parcelle de 11, 16, je sais pas du coup combien ça fait. Ah, c'est l'économie qui est passée en vert et l'environnemental plutôt, pardon. Bah là on peut prendre le 3,5 normalement, on doit être à 4 là. Là on est à 4, on est 4 partout et tout. Franchement c'est top. Hein. Bon, sachant qu'il nous reste encore, on a fait un peu plus de la moitié seulement. Donc là on peut prendre là, 0, merci. Hop. Allez, un petit coup de circuit partout. Tac, on est bon. Recherche terminée, cool. On va pouvoir débloquer les panneaux solaires et du coup démarrer les agrandissements. Hop. Là, on a une vente, on n'a plus rien en fait. Faut vraiment que qu'on agrandisse le parcellaire pas. Faut vraiment qu'on agrandisse le parcellaire parce que. Parce qu'on ne produit plus assez pour. Pour les animaux qu'on a, et en plus si on a grandi, hop, d'accord. Avec le dernier que j'ai acheté d'ailleurs. Hop, il faut que je passe à celle-là aussi. Hop, voilà. Ok, recherche terminée. Alors, ça nous dit quoi? L'amélioration panneau solaire est débloquée sur tous les bâtiments prévus à cet effet. Ça, c'est bien. Et bien on va lancer ça. Pour protection de précision et fertilisation précise, ça m'intéresse. Tac.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y en a une que j'ai oublié aussi ici. Hop, on les regagne. Tac. Là, on est à 80 partout. 80, 80, 4. Oh, bah, c'est vraiment bien. Et du coup, là, normalement, ici, travaux, panneau solaire. Ça vaut 90 000. Même pas besoin de faire l'emprunt. Bon, hop. Et là, on a les panneaux solaires. 55 000. Vas-y. Non, je suis pas d'emprunt. Voilà. Alors certes, ça va nous baisser notre trésor, mais il faut savoir que on a 215 000 euros de côté. Donc bah, c'est plutôt bien d'avoir cette somme-là. Et que ça va nous permettre de financer l'agrandissement de la nurserie. Et on fera juste l'emprunt pour l'agrandissement de ici. Allez, on passe, on va voir si le panneau solaire il pousse ou pas. Dernier mois pour faire les semis, ouais. Hop, là on a gagné 12 200 euros. C'est cool, normalement on a plus 17 000. Hop, on va vendre. Ok. Alors. Ah, bah c'est par les ruches. Oh, les ruches. Ok. On est pas mal là. On est pas mal, à part financièrement où on est un peu ric-rac, hein. Hop. Ok, on a passé un tour. Allez, ok, 10% d'augmentation, super. Un tour renouvellement. Tac. Et par contre, je vais faire un peu short là, pour que je baisse sur mes côtés, parce que sinon, on peut regarder ce que j'ai récolté. Ah bah si, c'est le blé, ça, ouais. C'est tout le blé qu'on a semé au... Voilà, enfin, on va d'abord finir les côtes de blé. Comme ça derrière on se sème soit un maïs soit un sorgho. Attends, je vais regarder ce qu'il y avait derrière, c'est maïs. Oh, mais sinon on va descendre sur un maïs blé. Donc on va plutôt partir sur un sorgho. Tac tac tac, ça c'est bon, là les tutos. Ah. Hop 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 hop. Et là on va mettre la pointe sur cette dernière parcelle. Non, même pas. Pour ma pomme. Allez, allez, il reste encore un. Oh, non, c'est pas lui. Non. Ok. Là, c'est bon. Ça y est, on a les panneaux solaires ici qui sont apparus. Très bien. Du coup, là, si on regarde un peu consommation d'énergie, là, on remonte bien. Ça, c'est cool. Ah, ce qui me plaît, c'est ça, c'est qu'on n'a pas un score qui est plus bas que les autres, ni rien. Par contre, j'avais dit 1 heure, ça va faire 2 heures qu'on est dessus.
J'ai vu passer les panneaux solaires. Ok, merci. Objectif atteint. Ça y est, on a les panneaux solaires. Hop. Mais par contre, on est passé ric-rac. Heureusement qu'on a de la vente qui tombe là, parce que sinon. On aurait été en négatif. Juste un point d'économie. On a 241 000. On va pouvoir lancer les travaux de. Hop, là on a un peu de récolte d'orge. Hop, et derrière on fera du couvert. On va faire, c'est que là, ça on va se mettre à 100 euros, 1000 euros. Allez, 2000. 2000 euros. Puisque dans les emprunts, il reste 3 mois. Peut-être 13. Ah, du coup, on reste en positif. Alors là, par contre, il y a un peu de travail. Après, voilà, là, on a baissé, mais il faut savoir qu'on s'est financé quand même tous les panneaux solaires en cash, hein, sans emprunt. Tac. Allez, ouais, là, on a fait les couverts. Comme ça, on se fait une autre paille tous les 4, je pense, parce qu'on a fait pas mal de blés cette année. Tac. C'est bon, c'est bon, nickel, super. Et oh, c'est bien possible dans l'instant. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce que tu prennes si longtemps pour tout te dire. Je me suis même mise à des recherches dans le domaine de l'agroécologie. Avec ouais, je j'ai pas eu de consacrer. Je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi ne pas utiliser nos recherches? Ça me ferait plaisir de t'aider et voir jusqu'où. Ok. Allez hop, oh, mais. Vous avez maintenant décidé de faire deux recherches à la fois. Ça, c'est cool. Non, c'est pas les finances que je voulais voir, c'est les recherches. Là. Ah ben ouais, c'est forcément plan de formation. De toute façon, c'est là où je suis. Ça, ouais, ça débloque quoi? Coût des formations de baisser 10%. Ok, nickel. Nickel, nickel. Hop. Ah oui, il y a eu. J'ai oublié, là. En plus, ça récolte. Allez, Pauline, c'est pour toi, ça. Hop. Si on fait un point score 4-2, 4-3, 4-4, c'est beau. Très très beau. On a quoi? On a 27 000 euros. Allez, on va faire un petit emprunt. Un petit emprunt. 36 mois. Voilà. Tac. Et on finit les panneaux solaires et après on fait les agrandissements. Accélérer, maître social, super. Je voudrais que qu'on remonte un petit peu le compte en banque quand même. Avant de. Alors là, on a les traitements à faire. On remonte les comptes en banque avant de lancer les gros emprunts. Même si on a l'argent de côté, au moins pour l'un.
J'avoue qu'il n'y en a qu'un gros emprunt à faire, ça va aller aussi. Voilà, on va passer dessus. Allez. Là, on est à 54 000 là. Mais vous voyez, on descend à 21 000 avec le tour. 21 000, 52. Pourquoi? Je ne sais pas, on passe plus bas. 1er septembre. Là, on va pouvoir démarrer les premiers semis. Alors, hop, qu'est-ce que ça dit là? On a 4-2, 4-3, 4-5, ok, nickel. On est une travail, on a 5, c'est que j'avais encadré bien les 3, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et du coup, bah là les panneaux solaires sont en train de se faire, ok. En finance, on a combien de côtés, mais là il nous reste à rembourser ça. Donc déjà ça va faire 6 000 euros qu'on va garder. Les autres produits, on est à 2 000 euros par mois, on a 245 000, ça paye l'agrandissement. Allez, j'ai bien envie de le faire, on va tout récupérer, tac, et on va faire un agrandissement de niveau 2 d'abord. Ah, et on fera les panneaux solaires dans la foulée. Hop, allez, on y va. Ah, c'est bon, on a eu les panneaux solaires. Hop. Oui, alors, du coup, là, on a des signes à faire ou pas? Septembre, il faut qu'on fasse les signes critiques. Voilà, c'est du médical, il est là. Hop. Non, pas B, c'est du médical. J'avoue que par celle-là, on est dessus 40 000 euros pour 8 hectares. Ouais, non, pour l'instant, j'attends un peu d'avoir fini de rembourser les crédits pour me lancer dans le doute d'acheter de parcelle. Ok, on est bon. Là, on récolte le maïs. Mais du coup, on pourrait se mettre direct derrière le maïs, non? Bon, on fait plus critical. On va peut-être faire ça. Non, j'ai une critical. Là. Ok, mais c'est bon. Dès que l'arrondissement ici est fini. Merci, vous ne me rappelez pas, mais c'est déjà fait. Nous, on va essayer de faire de l'or, je crois. Mais ça ne doit pas faire. Oh, okay. On va voir un peu le truc là.
Maintenant, la ferme était orge sorgho. Allez, bon, on va faire un blé. Ça c'est pas long encore. Alors, ok, super, terre semée, c'est nickel. Pour en train de passer, le cours des céréales, 5% moins cher. Alors, hop, au niveau des scores, 4-3, 4-4, 4-5, c'est génial. Maintenant, on a tous les scores au vert, hormis la consommation d'énergie, mais ça va monter maintenant, puisque on a un panneau solaire d'installer. Et on va pouvoir financer, là on va attaquer... Alors attendez, on va faire les choses dans l'ordre, on va s'occuper d'abord de nos parcelles. Non, pas en... encore organique, voyons. Ah, par contre, il est à 109%, je crois. Ouais, j'ai dû coller un truc que j'aurais pas dû. Alors, je crois que je peux vérifier ça quand même à local. La pose est si la charge de trop, elle va péter un plomb. Hop. Ok, donc là on a fait toutes nos parcelles ici. Auto-renouvellement, hop, la vente. Ah ben voilà, là c'est bien ça. Et oui, on a augmenté, on a 236 sports maintenant. Donc une vente nous rapporte 40 000 euros. Donc ça c'est cool. Comme ça, ici on va pouvoir faire les panneaux solaires niveau 2. On va même pas faire d'emprunt pour les faire. Et là pour l'instant on peut pas faire l'agrandissement. On peut pas faire les rendre. Et apparemment il doit être au max, je suppose. On va passer, on va bien voir. On va bien voir. Bon, j'avais dit 1 heure, ça va faire 2 heures qu'on est dessus. On va avoir fait 3 ans ou 4 ans, je sais plus. Alors l'anniversaire, ouais c'est ça. Hop, on peut les vendre. Et là, on a une vente du coup à faire. Ouais. Donc ce qui est bien c'est que du coup financièrement est-ce qu'on a non on a toujours plus des agrandissements alors je sais plus si elle est au maximum ou pas je sais plus un peu en organique forcément ah mais c'est pour ça aussi qu'elle est passée à 109 c'est les agrandissements qui ont fait ça à tous les coups faut que je regarde ça. Et du coup, si j'en ai une là qui peut regarder mon personnel, quand je passe le tour du personnel, parce que si j'en ai une qui est pas, hop, 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 pardon, pas, qui est pas tant complet, il va falloir que, bah, que, le problème c'est qu'on va pas leur proposer des CDI. Parce que la boucherie qui a besoin, hein, qui a besoin. Ah, c'est où là, je l'oubliais pas. Si y a pas moyen de transférer un CDD en CDI. Donc du coup, Maximum pro, je peux pas la mettre. Je pourrais la mettre, je peux pas. On va mettre ça comme ça. Ok. Bon, je voudrais juste revoir les panneaux solaires sur le toit du bâtiment là. Voir si ça se met bien.
Ouais, j'ai vu un truc de poser. Alors, hop. Ah bah du coup, elle a baissé à 59. Voilà, on va la faire travailler alors. Hop, et j'ai entendu frapper chez moi. Je vais devoir m'arrêter un petit peu. Je finis ça. Hop, et je pense que je vais faire juste une petite pause. Et on changera de jeu. On fait la vente ici. Et voilà, ce que je fais, c'est que je vous fais une petite pause et je vous reprends dans quelques instants. Allez, je reviens avec vous et du coup le jeu on va l'arrêter là, donc ce que vous avez vu. Hop, si on se refait juste un petit briefing avant de partir, hop, on va regarder nos scores, donc 4-4, 4-4, 4-6. Donc ça c'est pas mal. Du coup, voilà, là on est quasiment envers tout partout, donc c'est cool. Dans les recherches, le plan de formation et l'écriture de pression avance bien. Là, on a fait tous nos travaux normalement. Ah, si, ici, il en reste encore un peu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Allez, panneaux solaires niveau 3 et les enclos extérieurs. Donc, ça va être des projets à. Panneaux solaires niveau 3 extérieurs, ouais. Là, on pourra les faire, bon, on les gardera pour la prochaine fois. Du coup, et par contre, je pense que sur bâtiment pour ça, on a fait toutes les améliorations possibles. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Il va juste nous manquer, je pense, un peu de production. Bon, on est pas mal en sorgho. Voilà, ça va encore. On n'est pas trop mal. Donc, voilà un petit peu tout le tour. Il nous reste donc 2026 de mémoire, ça on a commencé, je ne sais même plus en quelle année on a commencé. 2020. Oui, c'est ça, 2020, donc il nous reste 4 ans, donc on est plutôt bien. Dans les emprunts, on a là, on a 7 emprunts là. Ici qui se termine, donc peut-être qu'on fera des emprunts pour les autres panneaux solaires qui restent, mais on verra ça la prochaine fois. Pour tout, je suis obligé de. Attendez, je vais faire passer le tour, comme ça il sera passé, on redémarrera sur un tour propre. Hop.
La moitié du temps, voilà le moment idéal pour un nouveau choix stratégique. Hop. Dans 55 tours, favoriser les CC, les couverts gelés. Et là, ouais, je vais plutôt prendre la condition de travail à 3,5. Conditions de travail à 3,5. Et là, actuellement, moi, les conditions de travail, elles sont à 5. Donc, on va prendre le deuxième objectif. Hop, parce que j'ai surtout demandé l'équipe plus 15%. Et puis voilà. Je sauvegarde du coup ici. Hop. Ça a bien fait la sauvegarde. Hop. Moi, je vous reprends comme ceci. Et du coup, rendez-vous certainement ce soir. On n'aura pas fait de ce que j'avais prévu. D'autres jeux, je vous ferai certainement un peu ce soir, mais je vois bien faire du farming aussi. Donc on verra tout ça en temps voulu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce live. Merci à vous sur YouTube qui regardez également les rediffs. Et je vous dis à très bientôt, à ce soir. Portez-vous bien.